da karmna me karmta second wa ti kuma sida sida pore mam mbura ka wumta ro wa tara mam pabada ya mam patum na wa tar mame in tuda in yani non kan afan yuwa kitam mamji ndawachi paton gol kama mam panya kama yondo la mame le katarm fiin. La question de la santé maternelle et infantile, ainsi que les violences basées sur le genre, constitue un problème de santé publique au Burkina Faso, partant dans la région du Centre-Est. Selon les données du ministère en charge de la santé et du ministère en charge de la femme, on dénombre en 2020 dans la région du Centre-Est 351 décès néonataux, 77 décès maternels et 539 cas de violences basées sur le genre. Pour répondre à cette problématique, l'Agence belge de développement a entrepris de multiples actions, dont la mise en place d'un modèle unique sur la prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre. Nous avons pu fédérer tous les acteurs, nous avons pu en fait les rassembler pour qu'ensemble nous puissions réfléchir pour voir comment on peut apporter en fait une solution unique. Le modèle unique se veut que tous les acteurs de la prise en charge, le médical, le psychosocial, le juridique, le judiciaire, mais aussi la protection par la police, soit centré autour de la victime. Il n'y a pas deux façons de le centrer de la victime, c'est mettre les services à proximité et les rendre accessibles. Au niveau communautaire, 70 cellules villageoises de veille, réparties sur les 30 communes de la région du Centre-Est, ont bénéficié de formations leur permettant de renforcer leurs mécanismes endogènes dans la lutte contre ces violences. Avec la formation qu'on a réussie, avec la sensibilisation qu'on puisse faire en famille et puis porte à porte là, vraiment il y a eu beaucoup de changements. La plupart des violences basées sur le genre, ça provient des communautés. Donc il faut que les communautés s'impliquent et elles-mêmes autour pour pouvoir solutionner ces problèmes. L'autonomisation économique des familles d'accueil et des survivantes de violences basées sur le genre est un volet important du programme. Nous avons pu élaborer le guide d'orientation pour les familles d'accueil. Nous avons pu aussi renforcer les capacités de tous les acteurs qui sont impliqués dans le référencement et la prise en charge des survivants et survivantes des violences basées sur le genre. Nous avons également renforcé les capacités des familles d'accueil. Nous avons aussi appuyé les familles d'accueil pour leur autonomisation et aussi l'appui pour la réinsertion socio-économique des survivants et survivantes des violences basées sur le genre. La contribution des familles d'accueil a été un élément déterminant dans la prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre. À ce jour, on dénombre 40 familles d'accueil qui apportent une contribution inestimable en accueil, hébergement, appui alimentaire et référencement de ces survivantes. Pour le sang, on dit qu'on considère la biga je t'amène au havre. La sang au havre, il y a des bigas au commun. La wakat n'inga, kanane, ya togo. Avec l'appui que nous avons eu, sincèrement dit, ça va nous pousser à travailler davantage encore pour lutter contre les VPG. La réinsertion socio-économique des survivantes de violences basées sur le genre est également au cœur de l'intervention. Dans le dispositif de l'intervention, un centre mère-enfant a été mis en place en vue de contribuer à la promotion de la santé maternelle et infantile dans la région du Centre-Est. Il y a eu un centre mère-enfant qui a déjà ouvert ses portes et qui doit accueillir bientôt tous ceux en fait, qui sont marginalisés du fait de cette problématique. Première initiative du genre au Burkina Faso, ce centre comprend un bloc maternité, un bloc pédiatrie, un bloc administratif, deux blocs opératoires, un centre unique de prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre. Le centre mère-enfant de Tinkodogo répond à un besoin qui est formulé d'abord par nos partenaires de la santé. Le district vraiment a bénéficié d'abord d'un renforcement de compétences des agents de santé
On a bénéficié aussi donc d'une réhabilitation des locaux de l'ancien site du CHR pour créer donc le centre mère enfant. On a eu du matériel, on a eu des locaux qui sont très bien neufs. C'est adapté et quand on travaille là-dedans, c'est un sentiment de satisfaction pour nous prestataires, en même temps pour les bénéficiaires. Avec une population composée à plus de 60% de jeunes, les besoins spécifiques des adolescents et des jeunes constituent un point d'attention de l'intervention. Ça nous a permis de travailler à réduire le taux de sexe scolaire et ça nous a permis aussi d'avoir des jeunes responsables qui peuvent vivre leur sexualité avec responsabilité. Après la formation, on a su comment confectionner maintenant des serviettes hygiéniques, comment s'adapter pour être une femme leader. On a su aussi les conséquences qui sont liées aux violences sexuelles. Je peux même maintenant gérer mes menstrues, j'ai plus honte comme avant. Enabel a apporté une spécificité. Enabel nous permet d'échanger entre nous. Enabel prend en compte ce que les communautés ont comme valeur. Les communautés ont comme système de pensée et tient compte, disons, de leur vision et de leur manière de faire. Ce que ce programme a apporté, il a permis de booster le dialogue entre toutes les parties prenantes. C'est vraiment une valeur ajoutée très importante que je salue et que je félicite. Beaucoup de défis ont été relevés et Enabel s'inscrit à accompagner le gouvernement burkinabé à réduire les inégalités sociales et à améliorer la santé de la mère et de l'enfant.